La pauvreté morale, spirituelle, c'est deux choses. Quand ça manque, l'être humain, il est prêt à tout accepter tout. Chrétiens, musulmans, riches et pauvres rassemblés au parking du stade Japoma ce samedi pour une croisade d'évangélisation. Venus des 10 régions du Cameroun et d'ailleurs, hommes, femmes et enfants ont répondu à l'appel du messager de Dieu. Dieu a dit, qul huwallahu ahad, prenez le rendez-vous que je vous ai donné. Allah Samad, je suis en haut. Lami Yalit, je n'ai pas accouché. Voilà Bulat, on ne m'a pas accouché. Revenons confiants de la foi que nous avons. On est rentré convaincu qu'il y a un Dieu qui règne là sur son saint trône. J'ai foi qu'avec l'ensemble, Dieu peut faire quelque chose pour le pays Cameroun parce que je constate que le pays va mal. Selon les leaders religieux de Douala, réunis près de 5000 personnes, entre 16h et 20h30, ne saurait être une manifestation divine. Il y a même un effet métaphysique. On peut dire que cette parole, cette sensibilisation n'est pas ordinaire, mais que l'on comprenne qu'il y a quelque chose de métaphysique caché derrière qui mobilise les gens. Quelqu'un qui s'autoproclame prophète ou bien s'autoproclame Dieu, qui désormais va donner la guérison aux gens qui, au demeurant, n'avaient pas la santé, en un clic de doigt, il faut s'interroger. Jésus a guéri juste pour démontrer aux gens que si vous avez la foi en vous, votre guérison peut arriver sans qu'une autre personne intervienne. Parce que Satan, lui aussi, a ses miracles qu'il opère au nom de Dieu. Ils manifestent d'ailleurs leur inquiétude pour cette population qui serait en quête de miracles du fait des souffrances qui l'accablent et non à la recherche du salut. Les gens souffrent et puisqu'ils souffrent, leur parole flatteuse fait à ce que des personnes courent après. Allons vers les hommes de Dieu pour chercher Dieu, c'est-à-dire quoi? Se convertir, devenir des personnes justes, c'est ça qui va nous guérir. Ceux-là, avant d'arriver, ils se sont associés avec certains esprits qui, désormais, ces esprits vont ramener les gens vers eux pour que ça se capte au maximum. Parce qu'on ne comprend pas, au Cameroun, il y a les églises. Que chaque dimanche, les églises catholiques, les églises protestantes, les églises évangéliques et autres que nous connaissons, ils sont là chaque jour, ils expliquent la Bible. Peut-on croire qu'en un temps record de 16 à 20 heures, quelqu'un arrive avec la parole de Dieu? Ça se comprend très bien. Ça veut dire qu'il y a un problème. Des points de vue qui suscitent des interrogations sur les chagrins qui touchent davantage les humains. Il dit ce que les gens veulent entendre, différent de l'évangélisation, du vrai, véritable rôle prophétique que doit assumer un pasteur, qui est d'annoncer la bonne nouvelle et de dénoncer le mal. Il amène les gens à comprendre que tous les problèmes peuvent se résoudre par sa parole. Déjà même, il va jusqu'à dire qu'il va créer sa propre Bible. Là, vous pouvez vous masquer là, vous devenez maintenant quelqu'un qui n'a pas de pieds. On vous draine. C'est un tricycle. À peine ce genre de spectacle est organisé, il commence à prier. Celui-là va quitter son tricycle, dit « Oh, aujourd'hui, Jésus m'a sauvé, je suis devenu un homme guéri, une femme guérie en santé à travers les prières du pasteur. » Alors que c'est quelque chose qu'on a monté de toutes pièces. Pourquoi ces pasteurs-là ne partent pas dans les hôpitaux? Pourquoi ces pasteurs-là ne trouvent pas les fous qui sont en route, les inconnus, pour prier sur eux pour qu'ils guérissent? Et si au demeurant, on ne connaît pas l'origine du pasteur, est-il homosexuel, pédé, sorcier, magicien? Parce que quand quelqu'un arrive, on n'a pas tout son CV. Comme l'indiquent les Saintes Écritures, ces messagers de Dieu rappellent qu'il faut chercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. La publicité existe. Et la publicité, c'est cet argument que ça, quand ça touche les êtres humains, couvrent. Qu'est-ce que je vais dire? Les mêmes gens qui viennent, ils viennent avec leur personne, préparés en amont pour faire leur miracle. Certains vont arriver sur le tricycle alors que c'est leurs gens.